les poissons. On va faire un voyage dans votre imaginaire. Devant vous, il y a une bibliothèque invisible. Il y a des milliers de livres, des livres à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Vous voulez plutôt un livre à droite, à gauche, en haut ou en bas? Tout à fait. En bas. En bas. Celui-ci? Oui. Quel est votre nom? Dites-le à haute voix. Lampe. Lampe. Dans ma poche, ici à la vie. J'ai que ça. Tenez, comme ceci. Un mot. Vous allez penser à plein de choses de votre vie, dans votre esprit. Là, je vois, Pierre, vous avez environ 12 ans, vous êtes en vacances, vous êtes triste, ça a un rapport avec, vous avez un chien, c'est juste? Tout à fait, c'est ça. Il s'appelait Johnny. C'est vrai? Ouais. Johnny. Et je vois, vous êtes en train de faire du vélo avec des amis. Votre vélo est bleu. Et vous avez. Vous êtes avec Franck et Steven. Et. C'est juste. C'est juste, oui, tout à fait. Et là, il y a une fille avec vous. Vous êtes amoureux de cette fille. C'est votre premier amour, mais vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi. Steven aussi est amoureux. Oui. Et donc, il y a une espèce de rivalité entre vous. Pensez au prénom de votre premier amour. Ok, pour la première fois, est-ce que vous pouvez dire à haute voix quel est le prénom de votre premier amour? Sarah. Sarah.